je n'accepte pas la résignation, mais c'est tout sauf cela que j'ai vu lundi matin après ce match. Mais ça n'engage bien sûr que ce match. Demain, on en a un autre. Comme j'ai dit tantôt, plus difficile encore. Donc, c'est un nouveau défi. Je suis content qu'on réagisse de la sorte. Mon motto étant toujours, bon, si on donne le meilleur de soi-même, quel qu'il soit, bon, on peut que très peu se reprocher. Ça fait du plaisir de revenir après 6 mois au Stade Lido. On a fait la montée l'année passée là et j'ai beaucoup de amis et ils sont passés beaucoup de choses dans cet stade. Aucune chance, on ne peut pas dire ça, je pense. Je pense que tous les matchs, c'est comme la même histoire. Et on commence, on marque des buts et après, toujours on perd par détail des erreurs qu'on fait, que c'est nous qui avons fait les erreurs. Et on perd les 3-4 derniers matchs, on perd toujours pour détail. Et c'est pas comme si tu perds 3-0, 4-0, c'est toujours des petits détails. Et on doit faire mieux ça parce que le football aujourd'hui, c'est ça, c'est les petits détails. J'ai fait toute la préparation avec lui. C'est un très bon attaquant. Et tu peux pas laisser lui en seule seconde seul devant les buts parce qu'il va marquer. Peut-être tu ne le vois pas beaucoup pendant les matchs, mais les buteurs ils sont comme ça. Et tu ne les vois pas et après une seconde après, il marque des buts. C'est vrai qu'aussi il a été blessé presque 2 ou 3 semaines. Et je ne sais pas s'il va commencer ou pas. Mais s'il ne commence pas, il y a une autre chance qu'en ce moment il est bon aussi. Il veut montrer qu'il peut jouer et qu'il a beaucoup d'envie pour faire de belles choses. S'il ne commence pas d'entrer, c'est sûr, je pense que le coach il va faire jouer. Peut-être s'il commence pas, peut-être 15, 20, 30 minutes pour mettre un peu de rythme pour lui. Et je pense qu'il oui. Il va être avec beaucoup de confiance, il va essayer de marquer parce qu'il voit qu'il a besoin de ça, les attaquants ils ont besoin de ça. Et un joueur comme lui plus, et je pense qu'il faut être très, très, très attentif à lui, à les autres aussi. Il faut pas oublier les autres. On fait des bonnes choses, non? C'est pas tout, on fait pas tout mauvais, non? À Nantes, pareil, à Guingamp aussi, on fait match nul, à Montpellier, si tu commences à regarder, si ce sont des matchs qu'on peut prendre des points, et comme je dis, pour erreur que nous faisons, ou des petits détails, on perd des matchs, on perd des points facilement.